re-established in 1985 in accordance with the wishes of Princess Grace of Monaco, the Ballet de Monte Carlo is comprised of 50 dancers. In February 2012, they landed in the USA. There was no ballet company in Monaco until 1985. It was in fact the wish of Princess Grace to give back to the Principality of Monaco its official ballet company. But her untimely death made it impossible, and it was her daughter, Princess Caroline of Hanover, that fulfilled her dream and brought back a ballet company to Monaco. But truly, it wasn't until 1992, when Jean-Christophe Maillot became the artistic director for the Ballet de Monte Carlo, that the company really blossomed on an international level. Le travail de chorégraphe, à la différence de l'écrivain ou du peintre, est un travail qui est toujours un travail qui dépend des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail solitaire où la relation est directe avec l'œuvre. Elle est transmise d'abord par les danseurs et puis par un environnement qui est souvent musical et plastique. Et je trouve que c'est la richesse de l'art chorégraphique et c'est ce qui, moi, m'intéresse de ne pas perdre. Au-delà même de l'intérêt que je peux porter à un artiste, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la personne avec qui je travaille. Et en gros, je ne peux pas travailler avec un artiste de talent si je ne m'entends pas avec lui. J'irais même jusqu'à la caricature si je ne peux pas boire un coup avec lui. C'est-à-dire que la dimension de la relation humaine reste pour moi fondamentale. Canto, c'est une pièce que j'ai fait sur la musique de Monteverdi. C'est la première fois que je travaille avec de la musique baroque. Et moi, j'aime bien nommer la musique, c'est-à-dire que j'aime bien la définir d'un point de vue masculin ou féminin. Et la musique de Monteverdi est une musique que je trouve tout à fait androgyne. Et donc, je voulais travailler sur cette, pas ambiguïté, mais ce paradoxe qu'il y a de très fort chez le danseur, où finalement, on s'aperçoit que très souvent, il y a une part de féminité chez les garçons, et puis il y a aussi une part de masculinité chez les femmes. Et d'essayer de creuser et de voir si finalement ce qui est particulier à tout individu, c'est qu'on a tous en soi une part de l'autre, et de travailler sur cette ambiguïté-là, avec, accompagné par Karl Lagerfeld sur les costumes, en lui demandant de travailler aussi sur cette dualité permanente entre le féminin et le masculin. Opus 40, c'est une pièce que j'ai créée à l'occasion de mes 40 ans. Et c'était le 40e ballet que je créais, d'où le titre. Et La Jeunesse, c'est un spectacle que j'avais vu à New York avec Meredith Monk, que j'avais découvert à cette occasion-là, que j'avais trouvé absolument extraordinaire et fascinante, et à qui j'avais demandé si je pouvais utiliser sa musique pour en faire un spectacle moi-même. Et puis c'était surtout une pièce qui, pour moi, voulait parler de la nécessité, lorsqu'on arrive à 40 ans, de faire un petit bilan et de se rendre compte peut-être que cette fameuse adolescence qu'on a laissée derrière nous, on a peut-être un peu de tristesse à l'avoir laissée partir. Et si on ne cherche pas une nostalgie, on se rend compte peut-être aussi que même à 40 ans, il faut essayer de rester le plus adolescent possible. I'm Mimosa, I'm from Japan. I'm Simone, I'm from Australia. I'm Sivan, I'm from Israel. I'm from Canada, I'm both. Francis Murphy from Australia. I'm Erin Paddock. And where are you from, Erin? From Houston, actually, originally. I always say that very often I'm doing ballet for the husband that comes with his wife just because his daughter is doing ballet. And most of the time they're very bored. And I always say that if the husband is happy, then I want something, because I want to do ballet that is not only done for the people that know about ballet, but for people that don't know anything about ballet.